Eh bien, salut à toutes et à tous les gars, comme vous pouvez le voir, on se situe dans l'Alfa Romeo de Guanyu Zhou. J'espère que la vidéo va vous plaire. Comme vous avez pu voir dans le cheat, ça va être une vidéo où on va affronter les bots à 0%. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire les gars, on est à Monaco. Et il me semble qu'on va faire soit 3 ou 5 tours, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je vais regarder combien de tours je pourrais mettre aux bots à 0%. Et voir leur vitesse maximale à Monaco, les gars. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. On se retrouve de suite sur la piste. Attention, le départ va être lancé là, les gars. Et de faire gaffe, comme c'est 0%. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est derrière l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda. Ça va être vachement drôle à faire cette vidéo, je trouve. Parce qu'on va pouvoir regarder si on va réussir à tous les doubler ou pas. Comme à Monaco, c'est assez dur de doubler en général. Aïe aïe aïe, j'ai touché. C'est trop dur, il freine vachement fort, hein, je trouve. Allez, on va faire comme Charles Leclerc ce week-end, on va terminer la course avec les rondes cassées. Hop, elle est. Va s'attaquer à Perez maintenant. Ok, let's go. Autour de George Russell, la Mercedes, les gars. On a touché le rail. On est P6. Je sais même pas combien est-ce qu'on était parti. Donc là, ils sont vraiment à zéro, là, les bots. Hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, franchement, à Monaco. Prennent pas mal d'avance quand même. Non, j'ai encore touché. C'est la première fois que je roule à Monaco, donc je vous avoue que là je vais pas être très fort. Pour ça d'ailleurs j'ai préféré garder les traces qu'il y a par terre. Hop, on fait l'intérieur à Carlos Sainz, on a failli se toucher. C'est juste. Là, let's go, on s'attaque à Lewis Hamilton, le podium juste devant nous. Impeccable, très belle manœuvre. Voilà, Carlos Sainz de passé, on va s'attaquer à Lewis Hamilton maintenant qui est juste devant. C'est le podium, hein. C'est le troisième, Lewis. D'ailleurs, tiens, tant qu'on y est en parlant de Lewis, n'hésitez pas à me dire, les gars, en commentaire. Vous pensez que Lewis Hamilton pourrait revenir en cours de saison pour jouer le titre? Ou au moins pour mettre des bâtons dans les roues à Verstappen et Leclerc. Franchement, moi je trouve que ça serait vachement fun. Bataille à 3 devant. 3 écuries qui se bataillent pour la victoire, ça serait vachement stylé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et là, je fais ma petite pub, mais. Pour tous ceux qui veulent et que ça intéresse, si vous voulez, j'ai commencé une carrière My Team. On est déjà à l'épisode 3, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Ça sera en description, les gars. Donc j'ai carrément fait une playlist, au moins vous avez juste à cliquer, vous regardez de l'épisode 1 à l'épisode 3 maintenant. Demain, l'épisode 4 qui sort. Il n'y a pas de problème, mais normalement, il n'y en a pas. Ok. Trêve de bavardage, on va attaquer Max Verstappen. On a bloqué les roues, on va les laisser passer. Il a freiné tellement tôt qu'il m'a surpris et de cette là j'ai failli lui foncer dedans.
Passer sur Max Verstappen. On va s'attaquer à Charles Leclerc maintenant, qui a 1 seconde 35 de nous. Ah, mais j'ai même pas fait gaffe. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais avec Guanyu Zhou, mais non, en fait, je suis avec Bottas. Il semblait que j'avais sélectionné. Mais non. Ça devait être sans doute pour choisir mon coéquipier, je pense. Et let's go, on est premier, les gars. Donc on pourra pas leur mettre un tour, hein. Je pense pas que ça soit possible à Monaco, ça doit être vachement chaud. En 5 tours en tout cas. Là je fais vraiment beaucoup d'erreurs, hein. Désolé. N'hésitez pas si vous aimez ce... N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de concept. Et si vous voulez qu'on le fasse, mais sur un autre circuit cette fois-ci. Normalement, il y a une vidéo que je vais faire. Où j'essaie de me préparer pour ça sur un circuit que je connais bien. Où je vais essayer d'affronter les bots à 110. Donc au niveau maximum du jeu. Moi, il faut savoir que en général, bah là, à la carrière maritime, je joue avec les bots en 90. Hein. Je crois que c'est niveau difficile, 90. Pas de bêtises. Et aussi, dernière petite question en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel est votre pilote favori. Les pilotes de maintenant, bien sûr. Quel est votre pilote favori? Donc là, let's go les gars, Valtteri Bottas qui vient de remporter sa course. Première course de la saison pour lui. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser le podium. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va le laisser parler. Reprendre notre souffle après avoir regardé les pilotes s'affronter entre les rails. Félicitations aux vainqueurs pour ce podium des plus mérités. J'espère que la vidéo elle vous aura plu les gars. Si c'était le cas, n'hésitez pas. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui? À mon avis, les qualités techniques des pilotes ont fait toute la différence. Combien y a-t-il eu de dépassements en tout? Nous devrions avoir cette information quelque part. Quoi qu'il en soit, on a assisté à un très beau spectacle. Même si ce sport a une dimension stratégique, il est toujours plaisant d'assister à des duels sur la piste. En tout cas, le public en raffole. Donc si vous avez kiffé la vidéo les gars, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà les gars, vous laissez avec le podium. Va faire chavirer le public. Et à demain. Quel plaisir de voir l'écurie Alfa Romeo sur la première marche du podium.